Good morning, allez, dans les sujets aujourd'hui, le Nishmat, mon grand Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah ben Chana Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah connectée à la 5 minutes éternelle, nous étudions les Sakhim Menachot, Perek Zayin, Mishnah Dalet. Nesachim Shekadeshu Bakeli, Venimsa Azevach Pasul. Im Yesham Zevach Acher, Ikervu Imo, Veim Lav, Ipaslu Belina. Vlad Toda Utmurata, והמפריש תודתו ועבדה והפריש אחרת תחתיה, אינן טעונים לחם, שנאמר והקריב על זבח התודה, התודה טעונה לחם, ולא ולדה ולא חליפתה ולא תמורתה טעונים לחם. Deux sujets dans notre Mishnah. On commence d'abord, on traduit tout de suite la première partie, d'abord, ça va nous cadrer un petit peu le sujet. Nesachim shekadshu bakeli. On parle par exemple des nesachim d'une oblation que l'on doit offrir avec un korban, lorsqu'on apporte un korban toda, orla par exemple, on doit apporter aussi une oblation de vin. Alors, on va parler maintenant de cette oblation de vin qui a eu un problème dans le korban. Est-ce que l'oblation a été invalidée? Et alors, la Mishnah m'enseigne, Nesachim Shekadshu Bakli, s'il y a eu une oblation qui a été sanctifiée dans l'ustensile, c'est-à-dire qu'on a littéralement pour le moment, on a versé le vin dans l'ustensile dans lequel il devait être contenu, et ensuite le procédé était d'égorger l'animal, de finir d'asperger le sang, et après on prenait ce vin, on allait le verser là-haut. Alors la Mishnah m'enseigne, eh bien, Nesachim Shekadshu Bakeli, si cette oblation était sanctifiée dans l'ustensile, Venimtsa Azevar Pasul, et le sacrifice a été ensuite invalidé, il y a eu un problème qui a surgi, il était aspergé chez l'Olishma par exemple, ou c'est un khatat, enfin peu importe, d'accord, il a été invalidé, il a été impurifié. Qu'est-ce qu'on fait avec ce vin-là? La Mishnah m'enseigne, « Im yasham zevach acher, s'il y a là-bas un autre sacrifice, ikrivu imo, eh ben, on pourra faire cette rencontre, on va prendre cette oblation et on va l'utiliser pour l'autre sacrifice, et va avoir maintenant, on va pouvoir lui donner ce vin en guise d'oblation. » Mais s'il n'y avait pas de korban, alors ipaslu belina, ce vin-là deviendra invalide à la nuit suivante, il sera devenu pasoul. Et on explique un petit peu de quoi on parle. Lorsqu'on apporte un korban, pour plusieurs korbanot, il faut apporter une oblation. D'accord? Maintenant, on avait déjà touché au sujet dans le Perek Shlishi, que cette oblation, ça vient, et quelque chose de très particulier, ça vient pour quelque part agrémenter, enjoliver le korban. Donc, il est complètement dépendant du korban. On avait appris par exemple là-bas que lorsque le korban devient pigoul, alors machloket, est-ce que le vin lui aussi devient pigoul ou non? Ça va dépendre justement du deuxième sujet que je vais vous parler tout de suite. Mais il y a quelque chose de particulier, même si ça vient pour quelque part agrémenter le korban, alors il n'y a pas, malgré tout, la Torah a laissé la possibilité de l'apporter ultérieurement. T'apporter ton korban aujourd'hui, t'apporteras les Nesachim demain. Et tu t'acquittes encore de la mitzvah des Nesachim. Donc il y a quelque chose de très particulier. Quelque part il vient agrémenter, mais en plus de ça, mais malgré tout, il est indépendant. Maintenant, on fait une petite pause et on va passer maintenant à un autre sujet qui va parler de à partir de quel moment la sanctification échelonnée de ce vin. Tout d'abord, le vin, au début, il est rouline, j'ai du vin dans ma cave. J'ai décidé d'apporter un korban, donc je vais maintenant prendre aussi du vin que je vais sanctifier. Ce que je veux vous dire, c'est de vous montrer que sanctifier du vin, hein, ça marche avec plusieurs niveaux de gdoucha, de sainteté. Et au fur et à mesure de l'évolution du korban, alors on va le rendre encore plus kadosh, en le restreignant à plusieurs halakhot beaucoup plus limitées. Par exemple, je vous ai dit, au début le vin, il est chouline, il est profane. Je l'ai sanctifié, maintenant il va devenir du vin qui va être utilisé pour les Nesachim. Pour le moment, ce vin-là, il peut être utilisé pour toutes sortes de korbanot, pour les korbanot. Il ne sera pas invalidé s'il a passé la nuit suivante, par exemple. Parce que pour le moment, il a un certain niveau de Kdusha, niveau 1. Lorsque je vais maintenant apporter le korban, alors je vais commencer à prendre ce vin et le mettre dans un ustensile, un clicharet. Et clicharet, mais kadesh. En général, un clicharet, ça sanctifie.
l'ustensile qu'on utilise au Beth Amikdash pour faire les korbanot, dès qu'on a mis dans l'ustensile, pour plein de halakhot, on va voir que maintenant, les choses vont changer de statut. En l'occurrence, l'oblation n'a pas encore complètement changé de statut, juste sur un détail, que dès qu'on a mis dans le Kli Sharet, alors, puisque tu l'as mis en guise de ce korban, tu ne pourras plus désormais l'utiliser pour un autre korban. Mais pour le moment, il n'a pas encore atteint un niveau de sainteté, le summum, étant donné que pour le moment, si finalement le korban, on ne l'a pas égorgé tout de suite, on a traîné encore même deux jours, et bien on pourra encore utiliser ce vin. Il n'a pas été invalidé Bélina en passant la nuit. Vous savez bien que pour beaucoup de korbanot, la toile, elle a astreint, elle a dit, vous voulez manger en un jour et une nuit, en deux jours et une nuit. Si tu as laissé passer la nuit suivante, eh bien tu as invalidé le korban. Nifsal Bélina, Lina, la lune, passer la nuit. D'accord, Nifsal Bélina. Pour le vin, pour le moment, tant qu'on l'a mis dans l'ustensile, il n'est pas encore invalidé. Lorsque l'on va égorger le korban, alors maintenant tu as commencé la voda du korban, là, le fait d'égorger le korban va sanctifier le vin, que maintenant il va monter un niveau, c'est un vin qui ne peut plus passer une nuit. Il doit dans la journée être versé comme ça l'achat le prescrit sur le misber. Et si on va voir, comme ça va être le cas, qu'il va y avoir un bug, il va y avoir un problème, qu'on ne va plus pouvoir apporter ce vin, et bien on va laisser ce vin et il va passer la nuit. Et puis après il va devenir invalidé. D'accord ? C'était les deux notions. Maintenant, je reviens sur la Mishnah, mais je ne vous explique pas encore dans les mots de la Mishnah, parce qu'il y a des grands problèmes dans cette Mishnah. Vous pouvez constater qu'il y a un grand Barthénora. Ce qui va faire le Barthénora, c'est qu'il y a une phrase de la Mishnah, selon la Gemara, oui, ils se fondent sur la Gemara, une phrase de la Mishnah, on va la limiter et on va lui ajouter une phrase pour pouvoir lui donner un sens. Le principe de la Mishnah, il est simple tout d'abord. Le principe de la Mishnah, il est de mesure d'abord. Dès que on va distinguer les korbanot yachid des korbanot tzibur, les sacrifices des individuels, les sacrifices publics. Pour un sacrifice individuel, à partir du moment où tu arrives au Beth Amikdash avec ton vin, tu l'as versé dans l'ustensile du Beth Amikdash, même sans égorger le korban, tu ne peux plus prendre ce vin et l'utiliser pour un autre korban. C'est que pour celui-ci. Premièrement. Pas comme ce que la Mishnah semble dire, en l'occurrence. Parce que la Mishnah, justement, ne va pas parler d'un korban individuel, elle va nous parler d'un korban public. Et alors là, il y a une halakha particulière pour un korban public, qui va me dire que tant que tu as versé le vin pour un certain sacrifice, ouais, tu avais par exemple un korban, olat tamid, shel boker, là, la korban tamid du matin, il a fallu mettre du vin. Je ne suis pas sûr qu'il y ait du vin, moi, je ne suis pas un grand maquis dans le coaching, je découvre un montant de goût au fur et à mesure qu'on avance, mais en tout cas, supposons qu'il y a, ouais, parce que ça me fera un chèque meniskem, imaginez qu'il y a, d'accord, même à Rosh Chodesh par exemple, on doit apporter une oblation avec une Ola. Donc on a déjà mis le vin dans un korban. Il s'avère que finalement, il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait déjà rempli un autre verre. Eh bien on va dire, bah, c'est pas grave, tu vas prendre ce vin, tu vas l'utiliser pour un autre. Pour un korban public, tu as le droit de changer d'un korban à l'autre. Mais mieux que ça encore. Si toutefois, on a mis pour ce korban spécifique, et on a égorgé le korban, que maintenant, lorsqu'on engorge le korban, ça engage davantage le vin, que maintenant il devient encore plus précis pour ce korban-là. Malgré tout, on égorge le korban, si le korban ensuite devient invalidé, on aura la possibilité de prendre ce vin et de l'utiliser pour un autre korban, mais à une condition. Que l'autre korban, il était déjà égorgé au moment où on a égorgé le premier korban. C'est-à-dire, je m'explique un petit peu mieux, on avait un Rosh Hashanah. D'accord ? À Rosh Hashanah, vous avez bien vu dans le texte du Moussaf, on a dit « Et Moussefe yom azikaranazé ». On apporte deux séries de korban à Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est aussi Rosh Chodesh. Donc si c'est Rosh Chodesh, alors on a les korbanot classiques, par ve'elim, ve'shiva gvasim, avec le korban Seir Hatat. Ça, c'est pour rapport à Rosh Chodesh. Et puisque c'est yom azikaron, il y a encore une deuxième série, un par un il et sept gvasim, et de nouveau. D'accord ? Donc on a par exemple deux par Ola, pour lesquels Veniskem Chatsiain et la par. Il faut apporter un Chatsi Haïn, 6 logs pour un korban, un par. Donc on a le par de Rosh Chodesh et le par de Rosh Hashanah à apporter. On a rempli le vin pour faire le korban de Rosh Chodesh. On a égorgé le korban, le par, tout se passait très bien. Et puis après, il y a eu un problème avec le sang, le korban il a été impurifié. Eh bien, ce vin que tu as versé dans l'ustensile, il pourra être utilisé pour le par de Rosh Hashanah, mais à une condition. Qu'au moment où tu as égorgé le par de Rosh Chodesh, que le par de Rosh Hashanah était déjà égorgé. Si vous vous posez la question, mais dans ce cas-là, s'il avait égorgé, il avait déjà son vin,
Excellente question que je me suis moi aussi posée. Je n'ai pas trouvé qu'on répond à cette question. J'imagine qu'il doit avoir une réponse évidente, qu'il va me dire, ouais, l'autre, il avait aussi son vin, mais l'autre vin, il a été invalidé. Donc maintenant, on va faire le chidour entre le par et ce vin. Je pense que c'est la seule réponse à donner, logiquement, quoi, d'accord ? Dans ce que j'ai vu dans les commentateurs, ils ne se sont pas posé cette question. Ça arrive des fois, c'est le problème qu'on a quand je suis personnellement, c'est la frustration que j'ai à chaque fois. J'avance, j'essaie de comprendre, je veux poser des axiomes évidents, mais je ne suis pas sûr de mon coup à chaque fois, j'ai peur que je vais être contredit par une alakha méforéchette évidente comme ça m'est arrivé récemment par exemple avec l'histoire où je croyais que l'alakha méthoda qu'il fallait aussi mettre un bout sur le feu du misbéa parce que j'ai réalisé qu'il y avait un problème, que ça ne correspondait pas. J'ai demandé à quelqu'un, un ami, il s'est presque moqué de moi que je pose une question aussi bête. D'accord, c'est le problème qu'on avance dans des sujets qu'on ne maîtrise pas bien. Mais pour le moment, je reviens sur le vif du sujet. Donc c'est la réponse, j'imagine, à donner que le korban aussi de Rosh Hashanah, le par aussi devait avoir son vin, il avait du vin, le vin il a été invalidé. On a fait le par de Rosh Chodesh, le par il a été invalidé, eh bien tu pourras prendre ce vin et l'utiliser pour Rosh Hashanah à condition que le par de Rosh Hashanah il a été égorgé avant. Mais si toutefois tu as égorgé le par de Rosh Chodesh et il a été invalidé, et puis ensuite tu égorges le par de Rosh Hashanah, tu vas vouloir maintenant utiliser ce vin pour le pardon chinois, on va dire non, c'est trop tard, c'est plus bon. D'accord ? Comme ça, le Bartonan explique la Mishnah. Alors maintenant, on va faire le travail qu'on va faire, c'est un peu embêtant. C'est qu'on va faire entrer tout ce qu'on a dit dans les mots de la Mishnah qui n'ont strictement pas dit. Avec encore un autre petit détail, c'est que la Mishnah, Michal, elle a commencé en parlant mal. Elle a dit Nesachim Shekadshu Bakli. Du vin qui a été sanctifié en le versant dans l'ustensile. Or, c'est faux. On parle que le vin. Il a été sanctifié, il a atteint le summum de la sanctification. Lorsqu'on a égorgé le korban, Benimtsa Zevar Pasoul, tu parles que le korban il a été égorgé. Alors le Bartenora, il va nous répondre justement, Lavdavka Bekli, c'est pas que ça a été Bekli, c'est que quand on a égorgé le korban, c'est encore dans le sensible. Bon, ça fait que des problèmes en fait. Succinctement, je lis la phrase, je traduis de manière très basique, et puis après je donne l'explication juste. Et on avance, d'accord ? Nesachim Shekadshu Bakeli. Une oblation de vin qui a été sanctifiée dans l'ustensile, en la versant dans l'ustensile, mais en réalité, on ne parle pas de ça. On parle que l'on a égorgé ensuite le korban. Donc, le vin, normalement, il a été sanctifié pour ce korban spécifique. Et ce qui s'est passé ? Venimtsa Hazevar Pasoul. Et il s'avérait que le korban a été invalidé. Pas qu'il était invalidé depuis le début, qu'il a été ensuite invalidé. Parce que si par contre on égorgeait le korban, alors que le korban en fait il était taref par exemple, il y avait une treifa, et bien le vin il n'a pas du tout été sanctifié. Parce que ce que tu as égorgé le korban, c'était plus une shrita qui sanctifie. Ça c'était par rapport à la Mishnah précédente. On continue ensuite. La Mishnah m'enseigne, Im yesh sham zevach acher, s'il y a là-bas un autre sacrifice qui va pouvoir utiliser cette oblation. Mais attention, on parle d'un sacrifice qui est déjà égorgé au moment où on a égorgé. Celui qui était déjà égorgé au moment où on a égorgé. Le sacrifice présent ou dont le vin a été invalidé, eh bien la Mishnah m'enseigne, Ikrevu imo, tu pourras le sanctifier, tu pourras apporter cette oblation pour cet autre korban, précision, à condition que c'est un korban public. Mais si c'est un korban privé, depuis le moment où tu as versé le vin dans l'ustensile, en guise de ce korban, tu ne peux plus le changer à un autre korban, même si tu n'as pas encore égorgé l'animal. Si vous passez sur le Bartenois, vous verrez que tout ce qu'on a dit, Bezant Hachem, c'est renseigné dedans. Vehimlav, il passe le Benina. Mais s'il n'y avait pas d'autres Korban qui a pu utiliser cette oblation, eh bien, ces Nesachim-là, ils passent le Benina. Ils seront invalidés par la nuit suivante. On a fini ce premier sujet. On passe maintenant à un tout autre sujet et on revient sur le Korban Toda. Korban Toda, il a la singularité qu'il faut lui apporter les 40 pains. D'accord ? Maintenant, on va parler de toutes sortes de korbanot qui ont un certain statut de toda, mais que malgré tout, ils vont être dispensés des korbanot, des 40 pains. On va prendre le cas le plus simple, justement, qui n'est pas le premier, Vlad Toda ou Tumurata. Je l'ai traduit les deux premiers, mais je les expliquerai ensuite. Vlad Toda, c'est le petit qui a été mis bas par un korban toda, c'est-à-dire j'avais sanctifié une brebis et elle a mis bas un petit mouton, d'accord ? Et bien ce mouton-là, il a aussi un statut de korban. Peut-être que c'est écrit Toda, je ne sais pas si c'est Toda ou Shlamim, par rapport à ce que je vous ai dit hier sur le
Maria Alfandéry sur les deux jours et une nuit. En tout cas, Vlad Toda, Utumurata, et l'animal qui a été racheté du Corban Toda, ça je vous expliquerai ensuite. Ou encore, et ça c'est le cas le plus simple que je préfère utiliser justement, Vamafrish Todato, Todato, celui qui avait désigné son Corban Toda. J'avais pris ma petite brebis, j'ai dit « Ah toi, c'est toi que je vais prendre en Corban Toda ». Et il s'est avéré que Ve'avda, elle a fugué, elle s'est enfuie, je ne l'ai plus retrouvée. Manque de peau, hein, c'est pas grave, j'ai pris un autre corban, j'ai dit bon, je vais te prendre à la place. Et une fois que je l'ai pris, que j'ai pris un autre corban à la place, et Frisch Acheret Tartea, il a sanctifié un autre à sa place. Et j'ai sanctifié un autre. Et j'ai apporté l'autre corban avec les 40 pains. Et après, ma petite chèvre, brebis, je sais plus où j'en étais, ma petite brebis revient, et je la retrouve, bon, maintenant c'est un corban, elle, puisque je l'ai sanctifié. Mais c'est plus un corban Toda, c'est-à-dire. Et il n'aura plus besoin de revenir avec les 40 pains, étant donné que mon devoir d'apporter le Corban Toda avec les 40 pains, je l'ai accompli. J'avais un devoir. À défaut de prendre celle-ci, j'ai pris une autre. Elle reste Kadosh, mais elle n'a plus un statut de Toda qui impose les 40 pains. En Antonin Lechem, il ne requiert plus d'autres pains. Idem, donc maintenant je reviens en arrière. Le petit de la brebis, aussi, si toutefois, même s'il y a un statut de Corban, il va falloir l'apporter en Corban, avec les mêmes règles que la Toda ou que Hashemim. Et malgré tout, il n'y aura pas de nécessité de lui apporter les 40 pains, étant donné que les 40 pains, il faut les apporter avec la mère. Ou encore, Utumurata. Alors, Tumura, le sujet de Tumura, c'est assez complexe. Il y a une macérette entière qui s'occupe de ça. Le principe général, tout d'abord, Tumura, c'est transférer la Gdusha d'un animal à l'autre. Lorsque j'ai un Corban, il y a un interdit de transférer la Gdusha. Pire que ça, la Torah me dit, quand tu transfères la Gdusha, l'autre, il devient Kadosh, mais celui-ci, il reste Kadosh malgré tout. Tu ne peux pas transférer. Dans certains domaines, on peut transférer la Gdusha. Maaser Sheni, on peut transférer la Gdusha. Neta Revaï, ça existe de transférer la Gdusha. Si j'ai des fruits de Maaser Sheni ou de Revaï, je peux les prendre et je transfère la Gdusha sur des pièces. Je prends ces pièces, je les amène à Yerushalayim. Et les fruits, je les mange à ma guise. Parce que j'ai réussi à transférer la Gdusha. Pour plusieurs sujets de Kodesh, ça marche de transférer la Gdusha. Mais spécialement pour les corbanotes qui sont aptes à monter sur le Misbéach, une faction Kadosh, je ne peux plus désigner un autre à la place. Et si j'ai désigné un autre à la place, l'autre, il devient Kadosh. Mais le premier reste aussi Kadosh. En l'occurrence, j'ai mon Corban Toda. J'ai voulu changer, prendre une autre Toda que j'estimais plus belle. J'ai dit, allez, toi tu vas devenir la Toda à sa place. Eh bien, il s'avère que maintenant j'ai deux Todotes. La première, c'est la vraie Toda. La deuxième, ça devient la Tumura. Elle a un statut de Toda, mais pas complet. Et d'ailleurs, je n'aurai plus besoin de la porter au Beit HaMikdash avec les 40 pains. C'est ce que la Mishnah m'enseigne à Vlad de Toda ou Tumurata. Et aussi, donc Vlad Toda, c'est le bébé, le petit de la Toda, qui est Kadosh, qu'il faut aussi apporter. Tumurata, c'est celle qu'on a rachetée à la place, que ça n'a pas marché, de libérer complètement la Gdusha du premier. Mais que la deuxième aussi, il y a un niveau de Gdusha qu'il va falloir la porter comme un Corban Toda. Idem encore pour Amafrish Todato, celui qui a sanctifié. C'est le troisième cas, celui qui a sanctifié une Toda. Ve Avda, qu'elle était perdue. Ve Ifrish, Acheret Artea. Et qu'au final, il a trouvé une autre à sa place. Enan, ces trois types de Toda. Enan Teonin Lechem. Il ne requiert pas d'être offert au Beit HaMikdash ensuite avec du pain, avec les 40 pains. Pourquoi ? Sheneemar, Ve Hikriv, Al Zevach HaToda. La Torah l'a insisté avec. Au lieu de me dire Ve Hikriv, Al HaToda, la Torah l'a insisté Ve Hikriv, Al Zevach HaToda. Et tu apporteras avec le sacrifice de la Toda, une certaine lourdeur, une redondance comme ça, pour m'apprendre à Toda Teon Alechem, celle qui est réellement la vraie Toda, requiert les 40 pains. Velo Vlada, Velo Khalifata, Velo Tumurata, mais ni le petit, son fruit, qui est, d'accord, son enfant, ce qu'elle a mis bas, Velo Khalifata, celle qu'elle a voulu racheter, ou velot muata, ni même. Non, c'est khalifata. C'est pas khalifata, c'est quoi muata? C'est la même chose. Là, j'ai un petit problème technique. Ah, oui. Khalifata, c'est celle qu'on a utilisée à la place. Celle qu'on a utilisée à la place, c'est l'histoire avec la troisième. On a inversé l'ordre, c'est intéressant, je sais pas pourquoi. Ah, il y a une mafriche toda, je sais pas pourquoi il a inversé l'ordre. Je viens de me poser la question. Faut voir ça dans les mefarshim s'ils s'en chargent ou s'ils rectifient l'ordre. Dans l'ordre de la Mishnah, on a utilisé Vlad, Tumura et Khalifa. Khalifa, c'est celle qu'on utilise à la place, qu'après on a retrouvé la première. Donc, Velo Khalifata, Velo Tumurata, et ni celle qu'on a voulu racheter,
Théounin et Lechem, aucune de ces trois ne requiert pas de pain. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.